Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Project Zomboid. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer de visiter Rosewood. Alors j'aimerais bien sécuriser cette zone-là. Alors ce que vous m'avez dit aussi, c'est qu'a priori, j'aurais laissé un cadavre avec un holster, donc à savoir un rangement qui va permettre de mettre apparemment des armes... éventuellement des armes blanches. Vous m'avez dit également que, a priori, dans celui-là, voilà, il y avait. C'est ça. Il y a un sac, et à l'intérieur du sac. Ah, génial. Un croque-monsieur, c'est Razer qui m'a dit ça. Nickel. De quoi manger. C'est parfait, ça tombe bien, j'ai faim. Il est où, celui du fromage fondu. Frais, cru. J'ai un petit quart, ça va permettre de se caler. Alors on va aller voir pour ce holster, puis je vais en profiter pour commencer à nettoyer un peu la zone, parce que l'air de rien, ça va me prendre du temps. Et puis il y a pas mal de monde. Bon, on va s'occuper de ça, ça va déjà nous occuper un petit peu. Voilà, on en a un qui arrive. Personne derrière. Oh, raté. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop là. Plus ou moins raté. Quand même que j'en ai pas un qui m'arrive dans le dos quand même. Allez petit pépère. J'ai cru que j'en avais un. Oh. Cet échec, dans le vent. Il est dépressif. Eh ben. C'est pas le moment. Ah, il est peut-être ça, celui avec le holster, je vais regarder. Non. Tiens, par là, ça c'est une qui vient de dehors, elle m'a entendu. Alors qu'on aille prendre le pouls un peu à l'extérieur de la palissade. Voilà. Un bout de nerf, dépressif. C'est pas mon vieux. Ah, il y a pas mal de monde, hein. Il y a pas mal de monde. Allez. Personne derrière. Mon vieux. En plus, il a faim. Il y a du bois là-dedans, non? Il y a des bûches, hein? Ouais, c'est ça. On a un petit stock de bûches. J'arrive pas à voir celui qui a le holster. Oh, mince. Ça, c'est moche. C'est très moche. Dépêche-toi d'équiper ça, mon ami. Prends tout ton temps. Hein. Ah, échec. Échec absolu. Voilà. Ça, c'est fait. Un autre qui arrive. Ouais, il est paniqué.
c'est bon. Eh ben dis donc, c'est compliqué, hein. Ben, on va les balader par là, ça va être long. Surtout que je vois encore du monde qui arrive. Oh. Non. On va essayer de les balader par là. C'est un peu plus compliqué qu'avant le combat quand même, hein. Ouais, le personnage en plus est fatigué. Ça arrive. Voilà. Allez, venez par là, les petits pépères. Ah mince. Ça va être compliqué et long. Oh. Et ben, on va balader tout ça. Est-ce que... Ouais, je sais pas. C'est pas ça que je voulais prendre. Allez, il faudrait que t'arrives à me les tuer là. Hein. Ouais, là, ça va être compliqué. J'essaie de les emmener par là. Là, mon vieux. Ouais, j'arrive à me reposer un peu. Ouais, je vais essayer d'aller me reposer par là. Les petites chaises là. Je vais manger un petit coup. On va fumer. Histoire de le calmer un peu. Alors là, je crois que j'ai tous les émotes possibles. Hein. Il doit être chargé en plus. Allez, petit repos. Ok. Petit repos terminé. Alors, ils sont où, mes amis? On va reprendre des pilules pour se couper un peu la fatigue. Il fallait boire un coup. Yes. Ok. On va être pas mal. Enfin, j'arrive à soigner sa dépression aussi. Je pense pas que ça ait une influence sur le combat, mais peut-être. Alors, où est-ce qu'ils ont abandonné le combat, eux? Parce que l'air de rien, il est 15h30, il est déjà fatigué. Je pensais qu'il avait fait une bonne nuit, mais apparemment pas du tout. Oh! Ça va pas, va. Voilà. Allez, on va s'occuper de ça calmement. Je me suis fait super peur, là. J'ai eu une petite montée de sang. Oh, barré. Deuxième. C'est un truc de fou. Attends-toi, mon pépère. C'est bon, il perd celle-là. Voilà. Et ben, moi. Oh, bah, dis donc. Alors, on a eu beaucoup de rampants, c'était le groupe qui me suivait. T'en es un aussi, toi? Non, c'est bon. Ils sont rentrés là-dedans, je pense. Non, c'est bon, on a personne là-dedans. Et on a personne là-dedans. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu à manger là-dedans? On a du chardonnay. Ah ouais, la crème glacée, ça nous intéresse beaucoup. Je vais sûrement dormir dans le petit mobilhome, mais j'aimerais que ça soit safe avant. Enfin, safe. Un minimum safe. Donc on va nettoyer tout ce qui est là.
Voilà. Est-ce qu'on a d'autres? Il y a encore deux là. Le holster, c'est pas celui qui est en noir là. Ce serait bien possible, hein. Non. Allez, mon gars. Et voilà. Alors, je vois pas lequel avait un holster. C'est peut-être parmi ceux que j'ai tués là. Je vais aller voir. Non, je vois pas. Enfin, je regarde éventuellement. Je regarderai la vidéo au montage. Ouais, faut pas que je me fatigue trop parce que je me suis juste reposé vite fait. Mais pas tant que ça. Je vais aller voir s'il y a du monde dehors. Surtout autour de la voiture. Alors vous voyez, ce que j'expliquais en commentaire, c'est que on a moyen de sécuriser facilement l'endroit ici en mettant, je pense, peut-être une voiture. Mais je pense plus deux. On va aller nettoyer là devant. Oh, génial, vous avez vu la petite animation là? Alors, on a toujours le son en décalé. Oh, il y a du peuple par là. Il y a beaucoup de monde par là. Ah, c'est pas mal ça. J'aime beaucoup cette animation. Là, ils sont trois. On va essayer de leur faire faire le tour de la voiture. Pourquoi t'as soif toi? J'ai rempli des bouteilles d'eau tout à l'heure. Yes, nickel. Elle est sympa cette petite animation. Ah ouais, elle est super sympa. Ça, ça a été modifié, ça. On va remplacer ça. Ouais, toutes mes habits sont super sales. Soucieux. Assoiffé. Comment ça se fait que t'es assoiffé? Toi, j'ai rempli des bouteilles d'eau. Ah, il les a remplies dans le sac, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que quand j'ai rempli tout à l'heure, parce qu'en fait il y a eu une mise à jour, ça se trouve il y a des trucs qui ont changé. Bon là visiblement, il y a l'air de pas avoir grand monde. Ouais, yes, ça le fait. 86 kg, et le poids continue de baisser. Ça aurait tardé d'avoir le problème à l'inverse. Ouais, eux ils sont plutôt loin. Mais je vais pas aller dormir tout de suite. Je suis très fatigué, conscience réduite. Ça m'inquiète un peu d'aller dormir maintenant. Mais je vais être obligé. Humide, soucieux. Bon, on va aller se poser. Hein. On va aller se poser dans le petit mobilhome au bout. Puis on va serrer les. On va serrer tout ce qu'on peut serrer. C'est pas toi qui avais le holster. Une boîte de balles. Éventuellement un pistolet peut-être si on a besoin de faire diversion. Ça peut être pas mal. Ok. Ouais, bah je vais être obligé d'aller dormir. Je suis très fatigué. Et bah on va voir ce que ça donne. J'espère que on va pas avoir une petite visite nocturne comme on a eu la dernière fois. Allez, dodo. Ouais, il est toujours à bout de nerfs. Ok, bon là c'est la nuit noire. Ça n'est pas pour me plaire. J'entends des zombards. Oh yes, canard en plastique. Je l'avais pas vu. Alors on va remplir toutes les bouteilles. Ok, bon. J'ai fait un peu de place dans l'inventaire. Ouais, il y a l'air d'avoir du monde dehors. Bon, on va se balader. On va se balader de nuit, tant pis. J'ai bien envie d'aller visiter. Toujours dépressif. C'est commode ça. À 3h du mat. Alors un truc que je suis pas sûr, c'est... Bon, comme il y a eu beaucoup de changements dans cette mise à jour, je me disais, ça se trouve, les zombies sont moins alertes. Peut-être de nuit.
peut-être. C'est-à-dire qu'il vous voit moins, tout simplement. Je vais pas prendre la voiture pour aller visiter le premier bâtiment parce qu'il est pas très loin. Ce que j'aimerais aller voir, c'est la caserne de pompiers. On va se déplacer en furtif. Ouais, elle m'a vu, elle. Bon, on va y aller et puis on essaiera de semer les zombies si on en a trop ensuite. Ah, il y en avait beaucoup là. C'est moche. Bon, allez, on y va. Il y en a qui sont pas loin de moi, je crois. Hein. Alors, on a un accès à notre base par là. Bon, ça va, il y en a pas trop. Il y en a pas trop par là. Alors, dans Rosewood, normalement, c'est un endroit qui est, voilà, plutôt super peuplé. Des zombies là. On va essayer d'y aller plutôt discrètement. On va passer par là. On va contourner. Ok, il n'y a personne derrière. Il y en a un qui m'a vu là. Ah, c'est dommage parce que j'y vois pas grand chose. Hein. Je t'ai vu. Mince. Ok. Nickel. Crafted Spear, ouais. J'en ai plus beaucoup. J'en ai plus que deux. Hein. Il va falloir être extrêmement... extrêmement prudent. Ok. On a deux zombies ici. Alors, ce que j'aimerais prendre ici, c'est... la tenue de pompier, des pompiers j'en ai vu. On m'avait dit que la tenue de pompier était très efficace. Et en plus elle est classe. Mais... putain, la touche n'a pas fonctionné. Je me suis fait très peur. Allez. Allez. Voilà. Voilà, c'est là que je visais. Oh non. C'est très moche. C'est très très moche la petite alarme. Voilà, regardez, il y a des pompiers là. Superbe. Est-ce qu'il y a un camion de pompiers? Non, il n'y a pas de camion de pompiers. Ça, c'est dommage. Est-ce qu'on va réussir à attirer juste un pompier? Ah, là-bas, je crois qu'il y en a. Attendez. Je sais pas si c'est un pompier. Ça, c'est un pompier. Mais il a pas le casque. Ah, génial. On va remplacer le jean. Ça, je vais le prendre. On va remplacer les bottes. Ah, superbe. Tenue de pompier, c'est beau ça. Ils ont des tenues de pompier, mais ils ont pas le chapeau. Là-bas, il y a des chapeaux, vous voyez. Lui là, il a un chapeau et l'autre aussi. Il y a qu'un peu de chance à ce que. Enfin, si on est cohérent, on devrait aussi pouvoir trouver peut-être plus de haches sur eux. Et voilà. Oh. Oh, le casque de pompier. C'est tellement cool ça. On n'a pas encore la veste. Qu'est-ce que j'ai? On va fumer. On va fumer. Alors. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clopes? Voilà.
j'ai bientôt plus d'eau. Là, j'ai vu, il y en a un qui a le sweat, voilà, qui a le sweat de pompier. Yes. Toi, tu as le haut, toi. Et toi, tu n'as pas le haut. Mais tu as encore pantalon. Oh, military boots. Ah, génial, on a des habits propres, là. Ça, c'est ensanglanté. Ah, génial. Ça, je le prends. C'est des bons vêtements, ça. Vous avez vu, il y a des stats intéressantes, hein, dessus, là. Ouais, c'est des super, ils sont super. Là, en termes de défense, on est bien. C'est du bon, ça. Dommage que je sois si chargé. Military boot. On va essayer de récupérer un deuxième chapeau. Je suis curieux de savoir s'il y en a qui ont des haches. Il y en avait un qui avait un truc sur lui. Qui avait l'air planté sur lui. C'est détendu, ça. Ah, regardez, il y a un carré noir, là. Sur la porte. Voilà, j'ai attiré tout le monde. Mauvais mouvement. Ouais, voilà, j'allais dire, il faut que tu me le fasses en un coup, toi. C'est bien. Tu as fait exactement ce que je voulais. C'est parfait. Un deuxième chapeau. Military boots, c'est parfait, ça. C'est bête qu'on n'ait pas, ouais, la jauge de sang. Je crois pas qu'ils aient rajouté dans cette interface là. Non, c'est la température. Vous voyez, une vue comme celle-ci, mais pour voir le sang. Attendez, je regarde quand même. Je regarde. Hein. Ouais, non. Vous voyez, ça aurait été cool qu'on ait un petit écran ensanglanté pour pouvoir voir, pour voir où ça en est à ce niveau-là, quoi. Ouais, ça c'est fermé. On n'a rien là-dedans. Puis on a le commissariat juste à côté. C'est pas mal aussi, ça. Ah, je vois des clés. Le tournevis, la molette et tout ça, ça c'est cool. Je vais aller faire le petit groupe. Waouh! Beaucoup de monde ici, ça me dérange un peu. Ouais, c'est celle-là. Ah, nickel, elle a l'essence. Mais non. Ah, ça, c'est très con, ça, ce que je viens de faire. Ah, ça, c'est nul, ça. Très nul, ça va attirer tout le monde. J'ai dû faire involontairement le raccourci. Ouais, involontairement le raccourci. Ah, ça c'est moche. Ah, j'ai pas eu le son. Ah, très très moche. Ah, c'est bon, maintenant on peut lâcher les trucs, on n'est plus obligé de s'arrêter. Ça c'est bien, ça. J'avais vu ça dans le patch. Allez mon gars. Tu es motivé. Dépêche-toi par contre, s'il te plaît. Ah, c'est bon, ils ont pas bougé eux. Voilà. On va essayer d'aller éteindre la voiture quand même. Oh, j'ai fait n'importe quoi. C'est très très moche et ça va m'attirer beaucoup de monde. En plus, on a le groupe là qui est en train de... Oh, ils sont en train d'y aller. Oh, ils sont en train d'y aller. Bah, éventuellement, attendez.
Peut-être pas. Plus ou moins pas. Ah mince, il y a du monde là-dedans. Ah, il y a du peuple un peu là-dedans. Ah non, si, c'est bon. C'est le groupe qui est là. Attendez, on va essayer de faire ces deux-là discrètement. Voilà. Et après, on va aller éteindre la voiture. Allez, tombe. Tombe, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Ok, on a une voiture pour repartir. On va essayer d'aller enfin visiter l'intérieur. Nickel. Ok. Ah, c'est bien que tu me l'aies pas one shot lui. J'aurais aimé. Personne ici, parfait. Alors, est-ce qu'on trouve des haches? Non. Il n'y a rien là-dedans. Ah, puis c'est marrant, vous avez... on a le visuel d'objet, mais on n'a pas d'objet dedans. Ça, c'est plutôt laid, ça. Ok, on va boire. Et on va remplir une petite bouteille vide. J'ai l'impression qu'il y a du peuple, hein. Alors, est-ce qu'on a des petits cadeaux là-dedans? Ouais, un clou. C'est pas ouf. On a les clous par un. C'est chelou ça, non? Pas très... ça nous intéresse moyennement. Ah, j'ai pas fait la poubelle. Il y a rien dedans. Alors du coup, attendez. J'ai pas enfilé le haut. Usé. Faudra qu'on aille en récupérer un œuf. Ouais, ça serait pas mal. Je vais aller voir. Là, vous avez vu, il y a des... Il y a des petits rangements pour les habits, là. Des casiers. Mais on n'a pas ce qu'on veut. Dans la buanderie, peut-être. Non, on n'a rien du tout. Ah, c'est dommage, ça. On a encore l'étage. Regardez. Des ombards de sortie, là. Ah, il y en a un qui a l'air d'avoir un truc dans le dos, là. Mais ça a l'air de, ça ressemble plus à un tuyau qu'autre chose. Voilà, et toi? Tu as quoi sur toi? Une longue barre métallique enfoncée dans le corps. Ça, 10 petits machins. Alors attendez, ouais, ensanglanté. Tant pis si c'est ensanglanté. Ouais, ça a l'air mieux que ce que j'ai, hein, les vêtements de. Les vêtements de pompiers ont l'air vraiment cool, hein. Ah bah attendez, on va remplacer celui-là. Il est usé. Il est usé, mais il est en bon état. Ok, parfait. On va faire un peu de place. Voilà. On va aller voir à l'étage. Avec un peu de chance, ici, on va trouver des vêtements. La loose, hein, les portes et les toilettes, ok. Ouais, par là, il n'y avait pas de. Bon, il y a la cuisine. La cuisine, c'est bon pour nous. On va probablement trouver pas mal de choses ici. Cuillère, sel. Pas mal de choses, pas mal de choses, c'est vite dit. Hein. Non, il n'y a rien du tout. Ok, et là, bibliothèque.
Oui, c'est marrant. Voyez, en fait, c'est le design des conteneurs, mais vides. Comme s'il y avait quelque chose dedans. Pour ceux qui connaissent le jeu, hein, vous voyez de quoi je parle. Mais il n'y a rien dedans. Ouais, y a rien ici. Ici, c'est un bon coin safe aussi, hein. Ça peut être plutôt super safe. Ouais, j'ai plus de place. Éventuellement, je vais les mettre dans la petite bagnole blanche et on la ramènera à notre petite base. D'autant que vous voyez, il y a plein de pantalons de pompiers là. Ouais, plutôt cool ce bâtiment. Oh. Un gros groupe ici là. Visiblement, ils m'ont capté, hein. Ils m'ont calculé, ouais. Je me méfie parce que là-bas. Ouais, ils m'ont entendu. Là-bas, ils m'ont pas entendu. Oh. Ça fait un petit cri de. Un petit cri de lémurien là. Allez. C'est bon, on a personne derrière. Ok. C'est notre dernier spire. Hein. Oh. C'était moche. Ok. Bon, on est pas mal. On est pas mal du tout. En plus, on a récupéré une petite voiture là. Cric tournevis. On va les poser là-dedans. On va les poser tout ça. Ok. Impeccable. Ah, ça peut faire un point aussi plutôt safe. Dommage qu'il y ait tant de monde par ici. On va aller voir vite fait par là. Parce que vous avez la ville plus haut. Alors à partir de là, on connaît bien. Il n'y a pas grand monde là. Bon, il y a un groupe là, mais ça va. J'ai envie d'aller repérer un peu si on a des voitures intéressantes. Ça c'est fait. Voilà. On dit oui. Et puis ça c'est le commissariat. Donc ça, ça veut dire on est susceptible de trouver aussi pas mal de choses intéressantes. Alors, vous voyez, je m'attendais à trouver des haches. Chez les pompiers, ils en avaient parlé. En expliquant que bah, on aurait des choses plus cohérentes. C'est dommage qu'on n'ait pas eu des trucs un peu plus intéressants. Ok. Bon, visiblement, on n'a pas calculé. Par contre, vous voyez, on a plein de bagnoles de flics. Ça, c'est plutôt bien, ça. Par la logique qu'il y a du monde. Ouais, il y a beaucoup de monde par là. Attends, ma petite mémère. Voilà. Bon, après, l'objectif, ça va être d'aller faire les magasins de nourriture qui se trouvent en fait à l'autre extrémité de la ville. Là, ça va être plus pénible d'accès. Je pense que là, par contre, je prendrai la voiture et puis j'essaierai de me trouver un coin safe un peu plus loin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer la petite voiture qu'on a chopée là. Je vais voir si je peux pas reprendre des fringues de pompiers, notamment des pantalons. J'ai vu que j'avais trois hauts, mais j'avais pas beaucoup de pantalons. Il y avait un gros groupe tout à l'heure ici. Il est où? Il est là-bas. Les pompiers sont là. On va leur prendre des pantalons. Je vais essayer d'en prendre des en bon état. Ok, je crois que le groupe est ici. Ouais, le groupe est là. Alors, Vitari Boot, on prend les pantalons. Ça, c'est bien ça. On va en reprendre un autre. Il est ensanglanté. Est-ce qu'on peut pas en avoir un peu propre?
Nickel. Je crois qu'en termes de bottes, on était pas mal. Nickel. Parfait. Alors par contre, j'ai l'impression que on a encore un sale temps qui démarre. Ouais, on a un sale temps qui démarre. Ouais, ça pue ça. Ouais, ça c'est la tempête ça. On se souvient vaguement de ça. Et ça ne m'avait pas plu du tout la dernière fois que ça m'était arrivé. Ouais, ils sont rentrés par là. Ce que je suis en train de me dire c'est... Est-ce qu'on passerait pas... un peu de temps ici? J'ai très faim. Parce que le retour en voiture avec l'orage qui gronde et tout ça, ça pue. Ça pue fortement. On va l'escalader à l'intérieur. C'est la deuxième tempête qu'on a. Ok, personne. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont rentrés. On va aller voir dans le garage. Il y en a un là. Ah, il est rentré là, il y a un trou en fait. Ouais, c'est ça, il y a un trou. Voilà. Ouais, c'était... J'ai entendu un bruit. Ouais, j'ai entendu un bruit étrange. Eh ben écoutez les amis, je vais aller me mettre à l'étage au calme et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Parce que je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de montage sur cet épisode. Et on a bien avancé, je trouve... Ouais, le retour va être compliqué en voiture, surtout si on a un orage. Je vais juste finir d'aller voir là-dedans si on a des intrus. Non. Et là, je tombe sur un vieux pack de ouf. Bon, j'en ai vu passer là par la fenêtre. On les a tous vus. Et là, voilà, c'est ça que je cherchais. On va se déplacer discrètement. Ici, vous voyez, vous avez les casiers. Et là-dedans, on ne trouve rien. Voilà, c'est ça, on ne trouve rien. Nickel, on n'a rien trouvé. Eh bien, écoutez les amis, on va s'arrêter là-dessus. Au prochain épisode, je pense que... Bah, je verrai. Mais je pense qu'on a récupéré pas mal de choses. Il va falloir qu'on aille déposer ça à notre petite base avancée. Et j'aimerais avancer dans mon exploration, notamment en essayant de rejoindre les restaurants qui sont à l'autre extrémité de la ville pour aller choper, si possible, des conserves. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pensez comme d'habitude à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut !